Shalom Alechem, on est dans Siman Taf Tzadik Dalet Ilchot Chag Shavuot. Alors, la halachot selon la fête de Shavuot, Bishisha, Bishivan, Hal Yom Chag Shavuot, Aha Yemes Firat Aomer, Shinim Shepo Arbaim, Vetish Ayamim, Shem Shiva Shavuot, Velachen Ikra Chag Shavuot, Moshe Neymar, Shiva Shavuot Ispor Lach, Vasita Chag Shavuot, L'Adonai Elohecha. אמרו חז"ל, למה תלה כתוב יום חג השבועות בספירה, מה שאין כן בשאר המועדות, כפי שכאשר נתבשרו ישראל, לצאת ממצרים נתבשרו שהם עתידים לקבל את התורה בסוף 50 יום לצאתם שנאמר וכו'. יהודי לא רב, לסי סיוון, לה זה לפת דה חג השבועות. אחרי קונה קונטה, 49 ג'ור, et que c'est sept semaines, c'est pour cela, ça s'appelle la fête de Shavuot, Hag HaShavuot, la fête des semaines. Combien de semaines on a compté? 7 fois 7, 7 semaines. Comme c'est écrit dans la Torah, tu vas compter 7 semaines, et tu vas faire, après ces 7 semaines-là, tu vas faire une fête pour HaKadosh Baruch Hu. Et Chachamim, ils nous ont dit, pourquoi dans la Torah, c'est écrit, il faut compter. C'est-à-dire qu'on vient d'en parler de compter. Machenken, que par contre, dans des autres, les autres fêtes, on ne compte pas. Rien que dans cette fête-là, on compte. Combien de jours? Un jour, deux jours, trois jours. Les filles chez Kacher, parce que puisque maintenant, quand en Israël, ils sont sortis d'Égypte, alors, Moshe Rabbeinu leur a dit que vous allez recevoir la Torah à la fin des 50e jours. C'est-à-dire, vous êtes sorti maintenant d'Égypte, 50 jours après, vous allez recevoir la Torah. Comme c'est écrit, quand vous allez sortir de l'Égypte, et vous allez travailler à Kadosh Baruch Hu dans cette montagne. Alors, comment c'est écrit là-bas? C'est écrit Ta'avdun. Au lieu d'être marqué Ta'avdu, alors c'est écrit Ta'avdun, avec un Nun en plus. Et Nun, en Gematria, c'est 50. C'est pour cela qu'il y a une allusion de 50 jours après que vous allez sortir de l'Égypte. Alors là, vous allez recevoir la Torah dans le monde de Sinaï qui s'appelait Ahoreb. Au Betzel Yisrael et Mitzrayim, Merov Hibba, Yumonim, Bechol, Yom, Vayom. Et la sortie d'Égypte, Amisraël, eux, ils attendaient la Torah. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, que personne ne peut comprendre, parce que ça, c'est Mirtav Elohim. C'est une lettre d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ils attendaient par impatience. Quand est-ce qu'on va avoir cette lettre d'Akadosh Baruch Hu? On va entendre d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, ils comptaient tous les jours. Aujourd'hui, c'est un jour, il est passé. Maintenant, c'est deux jours, il est passé. Dans trois jours, il est passé. Quatre jours. Maintenant, c'est sept jours. C'est une semaine et un jour, une semaine et deux jours. Ils comptaient. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient la Torah. J'allais avoir yom echad, varé avou yishne amim, vechen ala, mipne shayanir alaem kizman aroch. Parce que pour eux, à leurs yeux, c'était considéré comme c'était un jour qui est très long. Parce que quand il désire quelque chose, et il fait des croix dans la, des X, dans le calendrier. Ah, encore un jour, il est passé. Encore un jour, il est passé. Bon, Hashem, on va recevoir un très gros cadeau. C'est pour cela le compte il a été fixé pour la génération, pour les générations. Il y en a qui veulent dire que quand on va faire le kiddush ce jour-là, on fait le kiddush de Yom Tov, et après qu'on a fini, on doit faire Shehriyanu, seulement quand c'est la nuit. La nuit, Vadaï. Ça veut dire 20 minutes après la Shkia. On est Mahmir. C'est 20 minutes après la Shkia. Même que pendant toute l'année, pour faire Kriyat Shema de Harvit, ça suffit 13 minutes et demie après la Shkia. Ici, on est Mahmir 20 minutes après la Shkia. Chez où Kereva Sha'al Acha Shkia, même que le Rav nous dit ici, mais après il va nous dire autrement, mais quand même, c'est un quart d'heure après la Shkia aussi, c'est bon. Celui-là qui se trouve dans un endroit que c'est trop
l'on, en France par exemple, la nuit elle sort, elle rentre très tard. Comment ils font sortir Rabbi Noutam? Des fois, ça à 2 h du matin, non? 2 h du matin, des fois, ça peut être Rabbi Noutam. Alors, mon homme, il est dans le Shabbat longtemps. J'ai dit, mais quand je vais en dire, même tête de Sfira. Si maintenant, le bonhomme, lui, il va faire le kiddush quand? À partir du jour, même que pendant toute l'année, c'est bien et c'est conseillé de faire entrer Shabbat tôt. Entrer Shabbat tôt, ça veut dire que même qu'il fait jour, on fait mincha avant le plag à mincha. Et après, on fait Arvit après le plag à mincha, pour pas qu'il y ait tarté des sattes, pour pas qu'il y ait une contradiction. Le moment de Arvit, c'est après le plag. Comme ça, d'après la chita de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit que la nuit, c'est à partir de plag à mincha. Ça veut dire qu'on peut faire rentrer Shabbat après le plag. C'est 1 h 15 avant la Shkia. Ou d'après Rabbi Yitzhak Yosef, c'est 1 h 15 avant la sortie des étoiles. Ça, c'est déjà. C'est à Kochavim, d'après Rabbi Yehuda, et on peut faire Arvit. Mais par contre, pour Shavuot, le Kiddush, c'est conseillé et c'est juste de le faire à la sortie des étoiles, vraiment. Parce que c'est écrit, il faut compter 49 jours. Et quand maintenant tu fais rentrer Yom Tov plus tôt, alors il n'y a pas 49 jours. On n'a pas encore fini, parce que c'est écrit. Arba'im et Teisha, Teisha Arba'im Yom, Temimot, Temimot qui sont intègres, les jours qui sont pleins. Et puisque maintenant tu fais rentrer la fête quand il fait encore jour, ce n'est pas que là, quand 49 jours, il est plein. Sheva Shabbatot Temimot Yena, il faut qu'ils soient pleins. Veyesh Cholkim Omrim Shen, il y en a qui veulent dire qu'il ne faut pas. Il n'y a aucun problème, tu peux faire rentrer Yom Tov plus tôt, tu fais le Kiddush aussi, même qu'il fait jour. Pour toi, c'est déjà la nuit et on ne craint pas. Le Rem Bajal Minal Gadesh, Av Bemi Beod Yom, Velachen, Echatria, Nahon Lamdi, Mele Kadesh, Ad Le Aha, Shavu, Esri, Dakot, Me Ashkia. On lui dit le Rav. C'est pour cela, c'est conseillé, ça conseillé d'attendre, okay, de faire le Kiddush à la sortie des toits. Ça veut dire qu'on peut faire la Tfila avant la sortie des toits, même à plag. Tu fais mincha juste avant. Kavana, 1 h 30 avant la sortie des étoiles, tu fais la tfila de mincha. Et après, tu fais tfila de harvit. Le temps que tu rentres chez toi, 20 minutes après la shkia, il nous dit le Rav, 20 minutes après la shkia, tu fais le kiddush, et il y a un grand problème. Et même c'est conseillé Pessah de faire comme ça. Pessah, et la Haggadah, il faut le lire quand il y a la sortie des étoiles. Même le premier vers, c'est la sortie des étoiles. Au bien fois, je peux comme hôtel ou chef chalar chose de varim, chavonim, l'amtina de laïla, chez Nahon, la sotken. La plupart des raisons, si maintenant, dans des endroits que vraiment tu peux attendre jusqu'à la sortie des étoiles. Ça veut dire, on rentre à la maison, on a le temps de rentrer, de préparer les endroits là, où on va s'asseoir. Ça, c'était pour Pessah. Et la veille de Shavuot, tu attends la sortie des étoiles et tu fais le kiddush. Okay? Même que des fois c'est un peu tard, mais quand même c'est conseillé mieux de faire cela. Mikol makom bishat atzorech haotzei leshmoch ala mekilim lekadesh ala kos nimeod yom elosim yichol ala kodesh yesh lo alma sheismoch. Par contre, si maintenant, un homme, lui, quand même, il rentre Yom Tov très tard, 11 h du soir, quand est-ce qu'ils vont faire le kiddush? Pas rien que cela, ils ont toute la nuit de veiller, celui-là qui veille toute la nuit. C'est très conseillé de veiller toute la nuit pour Shavuot. Maintenant, comment ils vont faire? Si maintenant ils vont faire le kiddush à 11 h du soir, quand est-ce qu'ils vont faire la veillée? Alors il dit le Rav, ils peuvent faire le kiddush même avant les sorties des étoiles. Après la Shkia. Sheken ou Mikar Adin Vechen Pasak Amina Ken. Ainsi, c'est le Minag. Il a été propagé ainsi de faire le Kiddush même avant la sortie des étoiles. Le Fad Barasot Europa, la plus forte raison, c'est en Europe. Shea Shkia Mitare Meod Bimia Kaitz. Vous venez à Baït Mitzarim, la Shevet de l'Amti Madalaila. Et les enfants, et. Les enfants, et tout le monde.
Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent, puisqu'ils attendent, okay, pendant toute la nuit. Et maintenant, si tu, maintenant, tu vas rentrer la fête plus tard, alors les gens ils vont s'ennuyer, ils vont s'endormir. Et après, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Oui, frère, à sauter repas en Europe, il nous dit la réversée, comme quand même la frappe, et c'est de l'animal. Ken, כפי שנוהגים על פי הזוהר הקדוש והארי, שיש להם לקדש ולסעוד מבעוד יום, ואם אפשר, טוב שימתינו עד תחילת השקיעה, ובאופן שהשמן תתכסית מעינו. Et si c'est possible, au moins d'attendre qu'il y a la sortie, pas la sortie des étoiles, et là la shkia. La shkia, qui veut dire que le soleil il est couché. À partir que le soleil est couché, des fois la shkia, elle est. Comment c'est en France la shkia? Des fois c'est une demi-heure, des fois c'est une heure. Ron, Dan, si par exemple la shkia elle est assise à 9h du soir, à la sortie des étoiles, à quelle heure c'est? Des fois c'est 10h même. La shkia elle est très longue en France des fois. Alors, on peut faire le kiddush à partir de la shkia et c'est bon. ואם אפשר טוב שימתינו מתחילת השקיעה באופן שהשמן נכנסים מעינינו ואז יקדשו ויסעדו וטוב שיאכלו כזית לחם בצאת הכוכבים ועליהם תבוא ברכתו. ופחות, מם סימנם ככה נפיל לקידוש, הפרטיר דולה דיקוסי דו סולל. כמם סקונסייה דמנג'ה דו פן כזית דו פן על הסורטי דזטואל. פורקווה. וסבור כפרנון לפט. Et c'est conseillé aussi pendant Shabbat. Quelqu'un qui fait rentrer Shabbat tôt, c'est magnifique, c'est très bien. Mais c'est conseillé que même si maintenant tu es rendu quitte d'après Rabbi Yehuda du pain, du kiddush, parce que sauf, quand tu es en fait rentrer le Shabbat plus tôt, d'après la chita de Rabbi Yehuda, quand même, d'après les Chachamim, c'est considéré comme tu n'as pas mangé du pain à la Shabbat. Et selon la Torah, il faut manger trois repas Shabbat. Même que le troisième repas, à la Souda Shlichit, il y a une discussion dans ce laquen. Mais par contre, il faut manger le pain, la première Seouda. Et là, si maintenant tu as mangé du pain avant la Shkia, qu'est-ce qui se passe? D'après les Chachamim, tu n'es pas rendu quitte de la Seouda. Alors c'est bien et c'est conseillé. C'est sûr que d'après Rabbi Yehuda, t'es rendu quitte. Comme ceux-là qui font Kriyat Shema, ils font Arvit avant la Shkia. D'après Rabbi Yehuda, ils sont rendus quitte. Comme Maran HaShulchan Aruch, lui, il a dit, celui-là qui fait comme Rabbi Yehuda, il est rendu quitte. Celui-là qui fait comme Chachamim, il est rendu quitte. Le minag, il est de faire Arvit des fois même avant la Shkia. Mais celui-là qu'il a fait avant la Shkia, c'est bien, c'est juste et c'est conseillé de faire encore une autre fois Kriyat Shema après la sortie des étoiles. Et après de refaire de manger du pain. Attends, ça je te parle de Kriyat Shema. Mais non, pour manger le pain, si on a mangé le pain okay, avant la Shkia, parce qu'on a fait le Kiddush avant la Shkia, alors, c'est bien de manger du pain encore une autre fois. Kazait. Combien c'est kazait? Haïm. Combien c'est kazait? 27 grammes. 27 grammes c'est kazait. Au moins de manger une quantité de 27 grammes de pain. Et comme ça, on est rendu quitte d'après les Chachamim. Ainsi aussi pour Shavuot. Shavuot, pour manger le kiddush. Pour boire le kiddush, il faut avoir avec Seouda, il faut faire Seouda Beyom Tov, et il faut manger à la sortie des étoiles, c'est conseillé. Moutar l'itpalel arvit b'shavuot b'beod yom, l'ifne alayla kanarouk b'chol yom, v'en tsarir l'ezaher b'ze, l'itpalel achar tset ha-kochavim, sharak l'gabé ha-kiddush tov l'achmir b'ze, kaniska. Il dit c'est moutar de faire arvit même qu'il fait jour. On parle comme il nous a dit le Rav, mais Plagamincha, Arvit, c'est 1h15 avant la sortie des étoiles. Mais tout ce qu'on a dit qu'il faut être rigoureux dans cela, c'est rien que pour le Kiddush. Mais sinon, on peut faire Arvit plus tôt. Adavar Baro,
שמי ששכח לברך בחג השבועות ברכת שהחיינו אינו יכול לברך ברכה זו לאחר החג, אך לא בתוך שבעה ימים שאחר החג. C'est clair que celui-là qu'il a oublié de dire chez Yahyano, des fois ça arrive, le bonhomme lui il a oublié de dire chez Yahyano parce que des fois la bracha de chez Yahyano elle n'est pas dans la même page du Kiddush. Alors il faut tourner la page et puis la bracha de chez Yahyano elle est dans la deuxième page et il n'a pas fait attention. Tout d'un coup après on lui a dit il faut faire chez Yahyano. C'est sûr que après la fête il n'y a plus de tashlumim. C'est pas comme dans Sukkot, tu as 7 jours. À te reprendre. Il dit le rabbe Elel Shavuot, Chag Shavuot Mutar Lechol Pat Im Salat Irakot Mineh Hamutzim Ve'en Bezepkeda. Dans la fête de Shavuot, même si tu manges, quand tu manges du pain, le 27 grammes de pain, tu peux manger du pain avec les salades. C'est pas comme Sukkot. Avec Sukkot, on fait tout. Ça veut dire tout. Tout Be Tishrei, Tet Vav Tishrei. Et Tet Vav de Nissan. Et puisque dans Nissan, c'est Pessah, on doit manger la galette sans d'autres accompagnants okay, par exemple les salades. Comme ça aussi, à Sukkot, on n'a pas le droit de manger le pain avec une autre salade. C'est sûr qu'un homme qui l'a mangé avec une salade, je parle maintenant de Sukkot, alors c'est bon, il est rendu quitte. Okay. Mais c'est conseillé de manger le pain, le 27 grammes de pain sous côte, sans salade. Maintenant, est-ce qu'on va dire aussi Shavuot, pareil, oui ou non, Aresse Yom Tov, il faut manger, qui douche, il faut boire, faire le qui douche, après manger un kazad du pain pour te donner en kit, de la Seouda, 27 grammes. Il me dit, le Rav, il n'y a aucun problème, tu peux manger le pain, 27 grammes, avec tout ce que tu veux d'autre. Au moins, que c'est 27 grammes. Parshat haminhag bechol tfusot Yisrael liot neorim bechol kol halayla belel chag haShavuot ve'lasok b'Torah ad alot haShachar kmo shekatuv b'Zohar haKadosh chassidim haRishonim lo hayu yishanim b'layla hazeh v'hayu oskim b'Torah. Le minhag il a été propagé pendant parmi tout le temps Israël de être réveillé toute la nuit pour la nuit de Shavuot. Et d'étudier la Torah pendant toute la nuit de Shavuot, comme c'était dit dans le Zohar Kadosh, les premiers chassidim ici, c'est des gens qui sont pieux. Les premiers chassidim, lo ayu yeshenim balayla azev ayu oskim b'Torah. Les premiers chassidim, ils dormaient pas pendant cette nuit-là, et ils étudiaient toute la Torah. Kavana, il y a un tikkun, un marzor. Et il disait, bon, l'inchol morasha kedosha, l'anul vanenu mishne olamot. Venez hériter. Okay. Pour nous, pour nos enfants. Cette morasha, qu'on hérite ce monde-là et c'est le monde futur. Relamuot bezoa kadosh, kol aeloam shemetaknim tikkun belaila azot shmerim bo. Dans Zoa kadosh, c'est écrit, c'est le Harizal, lui, il est venu, il nous a expliqué tout cela. Tout celui qui est réveillé toute la nuit et il fait des tikkunim. Les tikkunim aujourd'hui, Yabou Hashem, c'est un livre, okay? Tikkun Korim, tikkun sauf que de ce jour-là, il y a beaucoup de Zohar, il y a un Teilim aussi, de dire toute la nuit, Kulam Yu Reshumim Vektuvim, les Sefer HaZichronot, ils vont être écrits et mentionnés dans le livre de Zichronot. Vakadosh Baruch Hu Mevarech, Otam Beshivim Brachot, et Vakadosh Baruch Hu, il est béni à 70 Brachot. Et des couronnes. Mais ils buvent à Haronim, j'attends une nagze, mais les Hagas le vote, et les Haronim, ils ont expliqué que le minhag, il est. Pourquoi ce minhag, il est de rester, être réveillé toute la nuit? Parce que le moment qu'on a reçu la Torah, les filles, je veux dire, comme la Torah, you, Israël, ils ont attendu jusqu'à la veille de Shavuot, jusqu'à la veille de recevoir la Torah. Ils comptaient un jour, deux jours, 40 jours, 49 jours, ils sont arrivés, tout d'un coup, ils se sont endormis. Et à Kadosh Baruch Hu, Veutzrach, à Kadosh Baruch Hu, Le'airam, Mishnatam, et les décolot ou brakim, Shayou, Lefne, Mahamad, Arsinaï. Et à Kadosh Baruch Hu, lui, il était obligé de les réveiller. Avec quoi? Avec
les tonnerres. Alors, la Gemara dans Brachot a dit pourquoi Akadosh Baruch Hu il a donné les tonnerres. Il a donné les tonnerres pour nous mettre droit. Parce que le cœur, des fois, il penche à droite, il penche à gauche. Pour nous mettre droit, il y a les tonnerres. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a réveillés. Et on doit réparer cela et de être réveillé pendant toute la nuit. Et de étudier la Torah pendant toute la nuit. Comme ça, on répare. Qu'est-ce que nos ancêtres? Il faut savoir que c'est nous. Les ancêtres, c'est nous-mêmes des fois. Nous, on était là-bas, on était tous là-bas. Alors on vient réparer. Qu'est-ce qu'on a? On s'est endormi avant de Kabbalat Torah. Azakabo.